Gérard, l'animateur le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête-toi. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions. Bon, Gérard, les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous, bienvenue, donc horaire particulier, semaine particulière. Donc aujourd'hui l'équipe n'est pas au complet, mais on va essayer de travailler comme ça, mais c'est pas grave, hein, on est habitué maintenant. Alors au standard vous avez Anne-Ka... d'accord, ça commence. Karine et Aurélie, donc bonsoir à vous. Bonsoir Gérard. Et sur le net www.funradio.com, donc Aurélie. Oui. Bonsoir. Et vous pouvez nous appeler en masse au 0825 08 5000 et pour les Belges au 033 08 5000 et à l'Aria, donc il va se présenter tout seul. C'est Tony Melon. Voilà Tony. Donc un petit coucou à tout le monde, tous ceux qui travaillent et particulièrement à la poulette de Caen qui se reconnaîtra et bon anniversaire à sa mère. Bonjour à Nounours et au grand singe. Voilà, terminé les bonjours. Donc débat sur les grèves, si je pouvais avoir la petite fiche, ça serait bien au standard. Karine, alors, s'il te plaît, je peux avoir... Qu'est-ce que tu veux ? La fiche avec le nom des auditeurs, oui, mais s'il te plaît. Bah non, bah on va pas commencer s'il y a pas de fiche. Oh là là. Ça, on commence pas comme ça, hein, les débats. Alors, on va accueillir Jean-Louis Mitchell. 102.6. Jean-Louis ! Tu sais qu'il met pas les auditeurs en air ? Ah, c'est bon, c'est moi. Jean-Louis. Allô. Bonsoir. Bonsoir à vous, Gérard. Bonsoir à toute l'équipe. Merci pour le Larsen. Bonsoir. François Birout, 78. Fréquence 101.9. Bonsoir tout le monde. Et après, qui c'est qu'on a ? Arlette. La Gadou, là. Arlette la Goudou, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 114.7 pour nous écouter à Reims. Salut le troisième homme. Bonsoir, bel homme. Alors, il y a Jean-François, il y a François. Non, c'est Jean-Louis, François et Arlette pour Arlette l'instant. Arlette la Goudou. Arlette la Gadou. La Goudou. Ouais, la Gadou, c'est pareil chez moi. Ah, la Goudou. La Goudou. Oh, c'est bon, on commence pas. Alors, que pensez-vous des grèves en ce moment? Et donc, on va... Ah, bah si, on accueille Force Ouvrière 119.9. Bonsoir, c'est Force Ouvrière. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir les auditeurs. Syndicalistes. Bonsoir GG. Bonsoir. Donc, alors... J'appelle de Bondindon. Bonsoir à tous les Bondindonois. Ouais, bah c'est 119.9, je l'ai déjà dit, d'accord? Tu vas pas commencer? J'ai un cousin qui habite là-bas, tiens. Eh, hey, tu la fermes, toi? Très bien. Bonsoir. Ok, merci. Alors, que pensez-vous des grèves en ce moment? Allez. Par contre, avant qu'on commence les questions, les stats, ils sont où? Les statistiques du débat. Alors, ils sont pas faits? Non, ils sont. Bah, si, ils sont faits, mais je vais aller les imprimer, en fait. Ils sont pas encore faits. Et puis moi, je fais la grève d'Internet. De toute façon, j'ai pas de clavier. Ah, bah, de toute manière, on n'a pas de clavier. Donc, je pouvais pas dire. Ah, bah, si, sur le net, on peut quand même avoir des réactions. Bah, on aura des réactions. Je me connecter sur le net, et comme j'ai pas de clavier, je peux pas me connecter sur le net. Donc alors, c'est un petit peu délicat. Ouais. Oh là 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 là, ça se voit que c'est bientôt les, ça se voit que c'est les vacances, hein, parce que c'est le vrai bordel là, aujourd'hui. Même les claviers font grève. Ah ouais, ben allez, on y va. Allez, que pensez-vous des grèves en ce moment? On va demander Force Ouvrière. Force ouvrière. Bah écoute, moi je suis partagé entre deux opinions un petit peu. D'un côté, bah ils font chier à faire les grèves, parce que ça fout le bordel, c'est compliqué pour nous après de se déplacer tout ça. D'un autre côté, ils ont le droit aussi de faire grève et d'emmerder le monde, quoi. Je veux dire, c'est leur droit syndicaux, camarades. Okay. Bon, Arlette Lagadou. Eh bien, moi je trouve qu'en ce moment au niveau grève, on est plutôt tranquille. Bon, c'est vrai quand ils paralysent une ville ou une jambe. Route ou des trucs d'essence, c'est pas cool. Mais en ce moment, ça va. Ouais, ben, je pense pas, hein. Mais si, on fait aller. C'est des tartes avec, hein. François. Oui, c'est en cette période, tu sais, c'est le jeu, c'est en cette période électorale, c'est normal qu'ils manifestent. Parce que c'est justement la bonne période pour manifester, pour demander à avoir un petit peu plus d'argent, que ce soit les infirmières, tout le monde, quoi. Hein.
les étudiants, tout le monde a besoin d'argent. Mmh. Je trouve ça normal, Gérard, que les médecins fassent grève, toi. Non, mais attends, laisse venir, après je vous répondrai, moi. De manière, je suis contre... Ouais, je voulais te poser une question, Gérard. Est-ce que tu trouves ça normal que les infirmières fassent grève, et les médecins? Jean-Louis, pour l'instant, il n'a pas répondu, après je vous répondrai. Bah, écoute, moi, Gérard, je suis chauffeur de bus pour la RATP. Ouais. Ah. Et je fais souvent la grève, car on se fait trop souvent agresser. Et il y a trop de gens qui nous disent que oui, il faut pas faire la grève, patati, moi je dois aller au travail. Et ben moi je dis non à ces gens-là, car j'en ai marre de me faire tabasser la gueule dans mon bus tous les matins. C'est tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce qui vient de se produire encore il y a ce week-end là sur Marseille, malheureusement. À Marseille, il y a encore un chauffeur qui s'est fait incendié. Okay. Et donc là ça a été carrément, il a eu le temps de retirer ses vêtements, mais il a quand même été brûlé. À Lyon, ils sont en grève depuis maintenant 7 jours, on sait pas pourquoi eux. Ouais. Mais ce qui est pour médecins, infirmières, dentistes ou autre service comme ça, ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, non, parce que c'est quand même ça commence à devenir long. On leur promet des trucs, et puis en fin de compte, ils ont pas encore obtenu ce qu'ils voulaient de. Un toubib, ça gagne 40 ou 50 000 balles par mois. Attendez. Je veux bien. Non, mais attendez. Eh, faut quand même dire que les médecins, ils veulent être à 2 euros sur. 2 euros, non mais... Non, 20 euros. Mais ça, ils ont tous des villas, tu crois qu'ils ont besoin de gagner plus? T'as des infirmières libérales ou autres infirmières qui... Libéraux. Des infirmières libéraux, pluriel. C'est bon, hein. C'est du pluriel. D'accord. Il y en a qui se font quand même, je sais pas combien par mois, d'accord. Je savais même pas que le bœuf, elle était infirmière. Qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dit, là? Ouais, c'est pas grave, allez. Ouais, commence pas, parce que sinon, force ou... Non, c'est pas moi, je faisais juste qu'intervenir, hein. Non, mais je te préviens. Mais de toute manière, c'est vrai que là, on n'est pas gâtés, hein. Ouais, et toi, Gégé, toi qui a quand même... t'as eu des métiers style routier, agent de sécu, gardien de nuit, tout ça. Agent de sécu, qui c'est qui t'a dit que j'étais agent de sécu? Bah toi, t'as été agent de sécu avant, quand même. Ah ouais, dans le gardiennage. Ouais, dans le gardiennage. Ah ouais, c'est pas pareil, là, faut pas confondre. Moi, j'avais compris la sécurité sociale aussi, moi, bah c'est non, pour ça. Mais non, agent de sécu, pas agent de la sécu. Eh, j'ai oublié, il y a aussi les étudiants aussi, quand même, qu'en ce moment, ça va mal pour eux aussi, hein. Camarade Guérard, j'aimerais te poser une question. C'est qui? C'est François Biroute. J'aimerais te poser la question suivante, parce que j'ai eu connaissance que tu faisais le métier de routier. J'aurais aimé savoir si t'étais syndiqué. Non. Mais comme je conduis plus, et puis de toute manière, Max a eu un routier tout à l'heure, c'est quand même leur gagne-pain aussi, hein. Ouais, mais est-ce que toi, t'as déjà fait grève quand t'étais, c'est ce que je voulais te demander, quand t'étais... on était bien obligés parce qu'on pouvait pas sortir, alors. Ah, et dans le yaourt aussi, il y avait des mouvements de grève ou pas, ou c'est vraiment spécifique à certaines professions? Ça dépend, hein. Ça dépend? Si personne n'était ravitaillé, automatiquement, on pouvait pas servir, hein. Ça, c'est, faut bien se mettre ça dans la tête, hein. Voilà. Gérard, quand tu te faisais casser la gueule en tant qu'agent de sécu, tu faisais la grève après ou pas? Non, mais attends, et toi, tu commences déjà pas... Comme les chauffeurs de routier, bus, c'est ça qu'il veut dire. Moi, je me suis fait retourner la tête par une petite grand-mère de 80 piges. Ouais, c'est ça. Arrête. Tu vas pas me dire qu'une nana, une vieille de 80 balais, t'as osé te casser la gueule? Attends. Moulasse, peut-être un peu moins, mais elle avait un attirail plutôt dangereux. Ouais, c'est quoi comme attirail? Une bombe lacrymogène, attention. Ouais, C'est bon. Un dé ambulateur. C'est bon, on va pas s'éterniser sur ça. Gégé, dernière petite question. Si toi t'étais chauffeur de bus, par exemple, est-ce que t'accepterais de te faire cracher dessus comme chauffeur de bus? Non, mais ça, je vais te dire une chose que... Je veux bien faire cracher dessus. De toute manière, faut bien se dire une chose, que s'il y a des trucs comme ça, automatiquement... C'est vrai qu'ils ont promis... Dans les vidéos que j'ai vues, tu te fais cracher dessus. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais il y a certains trucs qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est qu'ils ont promis des trucs pour la RATP, qui est toujours pas mis encore en service. Toujours pas. Donc, ils ont raison. Des cabines protectrices, rien du tout. Voilà. Même pas des chiens, rien. Même pas de gilet pare-balles, rien du tout. Que dalle. Non, mais il y a que de chi. Voilà, donc allez, c'est bon, ça y est, stop. Terminé pour cette question, on y va. Alors, seriez-vous prêt à faire grève si on vous le demandait?
Alors, force ouvrière. Force ouvrière. Écoute, ouais, moi, j'ai fait la grève il n'y a pas encore très très longtemps, là. C'était la semaine dernière. Mmh. On a fait une journée de grève. Parce qu'il faut savoir que dans ma profession, je suis fossoyeur de métier. Donc, faut savoir que quand même, dans notre profession, c'est pas facile tous les jours. On travaille en extérieur. Un peu mort, un peu métier, quand même. On travaille en extérieur dans le froid. L'hiver, quand c'est gelé, la terre, elle est gelée, c'est dur, tout ça. Mmh. Donc, on a fait une journée de grève la semaine dernière. Donc, ouais, moi, je pas de problème. Je fais la grève quand il faut avec les camarades. On fait, tu sais, le piquet de grève avec le petit feu. Mmh. On sort les saucisses, les bières. Et puis voilà, c'est ça le piquet de grève aussi. Ça, c'est le truc pour les, ça, c'est quand les routiers s'y mettent, hein. Ouais, mais tu vois, il y a un esprit piquet de grève, en fait, un petit peu. C'est un petit peu un esprit, une communauté. On est entre potes, on boit des binous, on bouffe des gaises. Et voilà, c'est bon, quoi. Mmh. Tu vois. Ah, les trotskistes. Non, mais de manière, ça a toujours été comme ça, hein. Faut voir quand ils se mettent en grève, quand ils se sont mis en grève, les routiers, faut dire qu'ils ont... Quoique Binous Saucisse, toi, c'était grève à la maison tous les jours, alors. Ouais, je pense, hein. Ouais. Arlette, la gadou. La goudou. Oh, je dirais ce que je veux. C'est pas pareil. Je m'en fous, c'est la gadou, puis c'est bon. La goudou. Moi, je trouve que, c'est un peu à tout le monde de décider s'il a envie de faire grève ou pas, quoi, mais si on me demande pourquoi pas, si je suis payé. Non, mais attends, si tu fais grève, t'es pas payé, hein. Faut pas rêver, là. Ah, mais moi, je t'explique, parce que moi, quand je fais grève, bon, je travaille dans une banque, hein. Mmh. Quand je fais grève, je n'accepte de réintégrer mon poste que si je suis payé. Si je suis pas payé, je... Mais de manière, s'il y a des grèves à l'heure actuelle, c'est pour essayer d'avoir une augmentation, hein. Bah oui. En général, tu fais ta grève pour gagner moins, hein. Bah oui. Normalement, hein. Mais il y en a, on sait jamais. Regarde, GG. Ouais. Tu parles d'augmentation, mais les étudiants, quand ils font grève, c'est pas pour avoir une augmentation, ils sont payés 0 francs à la base. Ouais, non, mais eux, quand ils font grève, c'est pour obtenir des plus d'instituteurs et tout ça, et que ça soit mieux surveillé. Parce qu'à l'heure actuelle, on peut... Tu crois que les étudiants de 22-23 ans, ils font la grève pour avoir plus d'instituteurs, toi? Je pense que oui. Il y en a qui le font, oui. Bah, oui. Mais pour avoir plus de sécurité, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de sécurité dans les lycées. Ah, ça c'est vrai. J'ai vu ça. Tu fais un débat sur l'insécurité pour coller à l'actualité, là. On verra. Une petite suggestion comme ça. On ne sait pas, on verra. C'est pour parler, mais il y a pas mal de sujets. Si vous avez des sujets à... L'insécurité, la délinquance, tout ça. À me proposer sur les débats, vous écrivez à l'attention de Gérard Pun Radio, 22 rue Bayard, 75008, à Paris. Un petit débat sur le football, ça pourrait le faire. Voilà, la Coupe du Monde, là. Non, mais c'est bon, le football, on l'a fait. On a fait déjà la Formule 1 il n'y a pas longtemps. Ah, mais le football et la Formule 1, c'est pas la même chose. Non, c'est bon, allez. On accélère. François. Ouais, bah moi, en tant qu'étudiant, c'est vrai que j'ai fait grève la semaine dernière, là, parce qu'on luttait contre les locaux complètement insalubres. Et voilà, on a fait grève parce que, bon, ça peut plus durer, quoi. On peut plus étudier dans des bonnes conditions... Les profs aussi nous ont rejoints, ils sont sous-payés, donc normal, on fait notre droit de grève, comme tout le monde, comme les infirmières, comme les médecins. Et Jean-Louis, pour terminer... Vous n'êtes pas payé. Non, comme il est étudiant, il n'est pas payé. Hein. Bah non, je touche le RMI. Hein. Jean-Louis. Je te dirais que si mes collègues ont une bonne raison de faire la grève, aucun problème, je suis, car j'en ai marre de me faire taper dessus de toute façon. De toute manière, c'est ce qu'ils font tous à l'heure actuelle, hein, maintenant. Exactement. Gérard, qui c'est qui décide qu'on fait la grève? Ben justement, on va en parler, hein. Ah. On va en parler. Alors, la troisième, c'est... Ben, de toute manière, j'ai répondu en même temps que vous, donc c'est bon, hein, vous avez eu tous les stats. Alors, on va faire quand même un petit stat. C'est à la question, trouvez-vous qu'il y a trop de grèves en France? Alors, il y a 35% des gens qui répondent non. 12% des gens répondent les autres oui, mais nous non. 3% répondent ça dépend des jours. Et 50% des gens ne pensent pas répondre à cause de je ne sais pas quoi. Ah, c'est là qu'on regrette Manu. Hein. Voilà. Ben, parce qu'on n'a pas des stats. C'est une nouvelle équipe que j'essaye de former. Ah là là. Ah ouais, mais c'est pas évident. Parce que, Aurélie, là. Oui. Comment ça se fait que les 50% des gens qui disent. Des gens ne peuvent pas répondre pour cause de... Attends, c'est bien. C'est peut-être un problème d'imprimante, hein, montre-moi.
Parce que j'ai pour cause d'eux et je sais pas ce que vous me mettez derrière. Bah, c'est peut-être la grève aussi, l'imprimante. Hein. Bah, je crois, hein. Bah, je crois que parce que. Apparemment, on n'a pas d'internet. C'est Internet qui était à moitié en grève aussi, donc on n'a pas pu avoir la fin de la phrase, apparemment. En fait, tout le monde s'accorde à son débat, Gérard. Bah oui, mais c'est bien. D'ailleurs, voilà. Moi, je vais peut-être faire la grève si ça continue. C'est la possible. Grève de quoi, toi, des travaux finis? Des questions, j'ai pu y répondre. Voilà. Ah bah alors, si tu réponds plus, Jean-Louis, tu sais ce que tu fais? Je fais la grève. Eh ben, au revoir. Au revoir. Au revoir. Jean-Louis. Alors Jean-Louis, c'est terminé pour lui. On va accueillir quelqu'un à la place. Si ça vous dérange pas, Trevor Jones, c'est là. Ah. Mais je t'ai... Bonsoir Trevor. Salut Trevor. Bonsoir Trevor. Oh. Hello. Oh, tu te réveilles? Hello, Mr. Cousin. Oh, bah cousin. Ouais, c'est bon, celui-là, c'est même pas la peine, ça va en faire. Non, non, au revoir, c'est bon. On l'a déjà. C'est bon, celui-là, on l'a quasiment constamment. Bon, allez, question. Et non, bah pas se mettre. Si on va pouvoir se mettre un petit disque quand même, et après. Encore on va, question, hein. encore, continue. Alors, croyez-vous que les grèves peuvent durer plus de 6 mois? On va demander à François. Non, je pense pas qu'elles puissent durer plus de 6 mois, parce que au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, faut arrêter de faire des grèves, il faut retourner au boulot. Hein. Au turbin. Ouais. Non, mais même. D'accord. Pour toi, c'est non. Ah ouais, parce que les grèves, c'est momentané. Il faut pas déconner. Il faut, au bout d'un moment, il faut retrouver le boulot, retrouver ses petites habitudes. Mm-hmm. Les grèves, c'est pour marquer le coup. Ouais, mais bon, ok. Arlette Lagadou. Lagoudou, eh bien, écoute, moi, je trouve que six mois sans être payé, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Donc, faut arrêter de déconner. Une semaine, 15 jours à la rigueur, mais quand même. Faut arrêter la fanfaronnade, là. Force ouvrière, et pour finir. Bâton. Ouais, farce ouvrière, pour la quatrième Qu'est-ce fois. Qu'est-ce que c'est que cette gaudriole? Voilà. Oh! On a bien mauvais exemple à la jeunesse. Eh, on se calme un peu, là, derrière. S'il vous plaît, on laisse répondre. Merci. Merci. On vous a laissé répondre. Alors, vous laissez répondre l'auditeur, maintenant. Ah, ok, camarade. Les derniers, quand même. Écoute, GG, faut quand même savoir, à partir de 2 mois, c'est plus une grève, c'est une mutinerie, hein. Il y a des textes qui réglementent et qui légifèrent un petit peu sur cette histoire-là. Eh, hey, les portables, s'il vous plaît, vous les éteignez. Et au standard, vous vous réveillez parce que tout à l'heure, ça va choper voir votre matrice. Il y a Dr. Flump qui est là. Ah, bah voilà, pour peut-être intervenir, pour me donner... J'attendais un moment propice pour l'annoncer, puisque toi, t'es tellement dans ton truc, je voulais pas te couper, tu vois. Non, comme là, je suis en train de te couper, c'est vraiment pas ce que je voulais faire tout à l'heure. Alors, docteur, comment? Docteur Flump, bonsoir, monsieur Gérard. J'appelle de Gugu City. Bonsoir au Gugutien. J'espère que t'as compris la question parce que je la répète pas. Hein. Ah bah écoutez, j'étais au standard donc j'ai pas pu entendre la question. Alors farce ouvrière pour finir. Je te disais, les mutinerie à partir de 2 mois c'est une mutinerie, il y a un texte et à partir de 2 mois c'est plus une grève. Hein. D'accord. Donc, une grève de 6 mois c'est impossible. Docteur Simple. Bah, je vous ai demandé. Alors croyez-vous que les grèves peuvent durer plus de 6 mois? Bah non, je ne pense pas. Moi j'ai fait la grève pendant 2 mois en tant que docteur. Parce que comme vous l'avez précisé tout à l'heure, nous on demande plus cher maintenant. Hein. Pour ma consultation, je demande 100 €. Ce qui me paraît tout à fait convenable vu la qualité de mon travail. Un peu cher pour un examen de la nuit. Et docteur Simple. Oui. C'est pas 100 €, c'est 30 €. Ah oui, mais moi j'ai des tarifs très particuliers. Ah, c'est un proctologue, hein, c'est un spécialiste. Un spécialiste de la nuit. Je suis pas n'importe qui. C'est un proctologue, GG, quand même. Bon, alors moi je peux vous dire qu'il y a eu des grèves qui ont duré quand même un peu longtemps. Celle des routiers qu'il y a eu une année. Elle a duré quand même. Ah si, elle a quand même duré longtemps. 15 jours. Hein? Elle a pas duré 15 jours, celle de il y a 5-6 ans. Hein. Ah bah oui, il y avait plus à mon avis, là où que tout le monde commençait à se ruer sur les stations-service dans les grandes surfaces et que ça a été, ils ont été forcés de mettre des services restreints pour les services municipaux. Alors, je peux te dire une chose, qu'elle a duré quand même assez longtemps, cette grève. 15 jours, parce que moi, c'est exactement le plein qu'il y a dans ma voiture, ça m'a duré 15 jours. Non, elle a duré plus de 15 jours. Et Gérard. Ouais. C'est qui? François Biroute. Tu trouves ça normal qu'ils aient fait intervenir l'armée pour déloger les routiers? Non, c'est dégueulasse. Mais non, mais ça, de toute manière, pourquoi? Parce que les routiers, ils ont pas obtenu ce qu'ils ont voulu aussi. Ouais. Leur responsable, ceux qui s'occupent d'eux là, le ministre des Transports, apparemment il a rien fait pour. Ben non. Et ça continue. Il a envoyé l'armée, ce con. Bah ouais. Mais et là, pourquoi que ça va encore recommencer? Pourquoi d'abord? Et ben là, ce qui va se reproduire, c'est qu'ils vont recommencer parce qu'ils ont pas encore obtenu l'ouverture du.
Ils ont pas... Attends, 5 minutes, s'il te plaît, quand je te parle. Merci. Bon, ça veut dire quoi, la gadou, là? La goudou. La goudou. La gadou, j'ai dit. Troisième homme. La goudou. Donc là, de manière, je peux vous dire une chose, que ça va pas tarder de reprendre. Et ça, c'est, moi, je leur donnerai raison pour les routiers. C'est encore l'histoire du tunnel du Mont-Blanc. Ils veulent pas on réouvrir. Ils veulent pas réouvrir pour l'instant le tunnel aux camions. Et non, ça, non, un de ces quatre, un de ces quatre, non, non. C'est pas normal. Normal. Les routiers, c'est leur boulot. Mais c'est normal. Là, on leur retire la moitié de leur boulot. Ouais, mais c'est attends, dégueulasse. Les gens, c'est leur vie quand même. Hein. Ah ouais, mais de manière, vous, les médecins, vous nous avez fait chier pendant plus de trois semaines. Trois jours. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 100 euros pour faire sous-peser les testicules? Ouais, 100 euros pour aller sous-peser tes couilles auprès de ta femme, et puis au revoir maintenant. Voilà. Au revoir. Et moi, je peux participer aussi, parce que comme j'ai rien à faire, là... J'ai rien dit, moi. Bah, je veux pas le savoir, je t'ai dit au revoir, docteur Saint. Ouais, voilà. Allez, voilà, comme ça, c'est plus vite. Oui, tu voulais... Je peux participer, moi. Bah oui. Je pourrais répondre à tes prochaines questions. Bah, tu peux dire... Regarde un peu derrière, là. Eh, hey, François Biroud, si t'es pas content, c'est moi qui commande. Ah non, je suis content, c'est pas François. Moi, j'avais une question, Gérard. Ouais. Parce que par rapport à ce que tu disais, machin, ils font la graisse, tout ça, mais est-ce que tu crois pas que plus on en donne, plus on en veut? Non, mais ça, faut se dire une chose. C'est parce plus là, en demande. Quand on a acquis les 35 heures, bon, on était content, machin, mais maintenant, est-ce qu'on va pas en vouloir plus, 35 ouais, non, heures mais, non, mais ça, ce qui se passe, les 35 heures, ça a été contre. Ça a été contre. Tout le monde, pourquoi? Tout le monde font grève à l'heure actuelle parce que c'est passé à 35 heures. Et à 35 heures, je suis désolé, les routiers ne pourront pas faire 35 heures. Ah, mais c'est leur gagne-pain. C'est le... ouais, mais sûr, c'est 35 heures c'est... par jour, c'est beaucoup. Hein. Non, ouais, mais même. Ouais. Attends, tu vas demander à un routier qui fait 35 heures, il pourra pas te dire non. Par jour, ouais. Il pourra pas faire 35 heures. Bah non, il faut dormir un peu quand même. Non, mais même c'est dans tous les services, c'est impossible. Si, c'est impossible. C'est tout un... Non, c'est pas réalisable. Il faut donner les moyens. Voilà. Alors, force ouvrir. Je viens de retourner, je viens d'entendre ta voix. Alors, tu vas aller te faire sucer le zob par ton chien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors. C'est tout. Quatrième question et on va mettre un disque. Ouais. Faut-il faire grève pour garder le survie de l'entreprise? On va s'écouter. C'est LFSDT, Magnif Haunted Road. C'est anglais. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc toujours la suite et bon oh non pas bah, fin quand du même, pas on vient de commencer. Pas suite et fin parce que j'allais. Eh ben, sinon, si comme tout le monde est en grève. Ouais. Donc il manque la moitié de mon équipe donc. Si la moitié, il y en a qu'une qui est partie, elle fait grève. Non, mais même, il manque une personne à l'ARA, parce que normalement, c'est pas toi. À l'Internet, on a personne. Donc. Non, si, moi, je m'en occupe. En non, fait, je m'occupe du standard et de l'Internet. Ouais, en mais même moi, temps. Si je décide de faire grève, j'ai le droit. Bah, ça, non, d'accord. Bah, normalement, on si. On est pas là pour bon, qu'est-ce qu'on vient de s'écouter, Gérard? Et là, on vient de s'écouter cet effet d'été avec Magnif Haunted Road. Road! Je sais pas qui c'est qui m'a sorti ce nom-là, mais bref. Donc, c'est de l'anglais, je crois. Hein. Ouais, c'est de l'anglais, puis je connais pas l'anglais. Et le numéro du standard, vas-y. Alors, vous pouvez toujours nous appeler au 0825-08-5000, et pour les belles, 0-33-08-25-08-5000, et sur le chat du net, donc vous pouvez toujours y aller. Voilà, Aurélie va vous donner... Aurélie va vous donner le site. Le ouais, site. Kikoulol.funradio.fr. Voilà. Et donc, il fonctionne. On est à 3600. Donc, pour l'instant, ça non, va. Non, c'est un petit peu monté, là, parce que là, on a repris. Donc, là, ça fait 4200. Ah, ben, c'est bon. Alors, on va peut-être arriver à faire 10 000 sur ce débat-là, j'espère. Ouais, alors, bien, ouais. On récupère François Biroud. Oui. Rebonsoir. Rebonsoir. Arlette Lagadou. Rebonsoir, la goudou, bonsoir. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur, camarade. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Très et Alain Madeleine, pour terminer. Écoutez-moi. Merci, Monsieur Alain Madeleine. Oui, bonsoir, Alain Madeleine, 118. Bonsoir, tout le monde. Voilà, oui, alors, la question. Gérard, oui. Est-ce que je peux te demander un petit service? De quoi? J'ai bien aimé le scud là que tu viens de passer. Ouais. J'aimerais savoir la maison de disque si c'est possible. Alors ça, tu fais une chose, t'appelles Karine, je te repasse Karine et tu verras ça avec elle. Je te passe Karine maintenant. D'accord. Voilà. Donc Karine, tu prends. C'est qui? On n'a pas que ça à faire.
C'est qui? C'est François Birout. Ouais, sont grèves. C'est pas grave, je demanderai à la fin. Ouais, à la fin du quand je te virerai. Non, faut pas. Mais on dira un petit peu le son platicule. Alors, faut-il faire grève pour garder la survie de l'entreprise? On va demander ça à François Birout. Faut-il faire grève pour la survie de l'entreprise? Non, moi je pense pas qu'il faille, ça se dit, Gérard. Qu'il faut faire grève. Ah, c'est moi la grammaire. Et je pense pas qu'il fasse faire grève, justement, parce que justement, si les gens font trop la grève, alors l'entreprise ne sera pas viable. Fiable. Fiable, si tu veux. Faut pas confondre les torsions et les serviettes. C'est clair. Arlette Lagadou, là, on se réveille un peu là parce que ça commence à dormir. Ouais, bon, allez. Moi, écoute, je pense que ça serait pas malin de la part des patrons de faire grève, parce que les patrons ils font jamais grève après tout. Peut-être qu'ils pourraient faire grève pour assurer la survie de leur entreprise. Il y a une question d'internet. Oui, en fait, c'est pas une question, mais ce que les gens disent depuis tout à l'heure, c'est qu'ils se font chier, en fait. Et ils vont faire la grève du net si ça se bouge pas un peu plus. Non, mais là, c'est quand même un débat. Je vais pas m'amuser à gueuler sur tous les débats. Bien sûr, je comprends. Donc, ils ont intérêt de faire il faut qu'ils se réveillent sur le net s'ils veulent pas. Au standard aussi, les gens demandent à quelle heure commence le débat. Ça y est, si au standard ils sont pas contents, tu leur dis qu'ils aillent se faire. Alors, Alain Madeleine. Oui, écoute, moi je trouve que t'es un peu excessif dans tes termes, parce que survie, je trouve que le terme est excessif. Parce que ça sous-entend qu'il y aurait éventuellement la mort de l'entreprise. Et je trouve ça un peu dur de parler de ça sur une antenne nationale, sur une radio à cette heure-là, quand même. Ouais, d'accord. Monsieur Mazur, pour finir. Quand même, tu peux, hein. Je vais répondre à ta question pourquoi que j'ai mis la survie de l'entreprise, d'accord? Oui, d'accord. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Alors, j'aurais aimé savoir, n'est-ce pas, si vous entendiez le mot grève au sens marxiste ou trotskiste du terme, n'est-ce pas? Oui, Gérard. Faut-il faire grève? Marxiste ou trotskiste, monsieur c'est Gérard. C'est quoi ce bordel? C'est dépendance, parce qu'en fait, ça se trouve, depuis le début, on répond à côté, ça dépend si t'es marxiste ou trotskiste. Oui. Ah, mais moi, je suis d'aucun parti, alors. Toi, t'es un alien, toi. Moi, je suis d'aucun parti, j'en ai rien à foutre. Pour répondre brièvement à votre question, monsieur Gérard, je pense qu'effectivement, le droit de grève est un droit, n'est-ce pas, qui est dans les fondements même de notre République. Mais je pense bien entendu qu'il ne faudrait toutefois pas en abuser, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je m'explique. Ouais, mais allez-y. Non, monsieur Gérard, n'est-ce pas que... Parce qu'on va pas, je vais pas m'éterniser trop longtemps avec vous, moi, si ça va pas. Excusez-moi. Je disais que faut accélérer un peu la cadence aux questions que je pose. Ah, mais tout à fait. Donc, si des employés, n'est-ce pas, faisaient grève, imaginons, un peu quand ça leur prenait, un peu n'importe quand, et pour des durées indéterminées, effectivement, je pense qu'au bout du compte, cela pourrait tout à fait couler une entreprise. Alors, je vais répondre. Je vais répondre aux questions, parce que là, apparemment, vous êtes en train de me faire un plan, bon, alors détaillé de ce que j'attendais pas. Donc, le pourquoi, le survie de l'entreprise, pour répondre à la Madeleine et puis à toi, et puis à vous. Donc, le problème, c'est qu'il y a, à l'heure actuelle, des entreprises qui sont en train de se casser la gueule à cause de ça. Donc, il faut pas que ça continue. Comme Moulinex, Lu, puis j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, pas de marque. Toutes ces entreprises là, pour l'instant, sont en train de se casser la gueule. Et c'est pour ça que c'est des licenciements économiques. Les gens font grève, ils bloquent les entrées des entreprises et automatiquement c'est leur gagne-pain et l'entreprise ne peut plus marcher. Voilà. Après, ça fait des embouteillages. Voilà, comme sur la route. Non, mais c'est ça, Gégé, le vice de la grève, c'est qu'en fait tu fais grève pour réclamer plus, mais plus tu fais grève, plus tu mets l'entreprise en danger. Bah oui, mais c'est pour ça. Mais Yana, regarde, si t'écoutes bien les informations qu'il y a eu là, il y a pas si longtemps que ça, il y a quand même pas mal d'entreprises que tout le monde se met en grève pour garder la survie de l'entreprise. Ils ont pas envie qu'elle se casse la gueule. Bah mais c'est ce qu'ils font en se mettant en grève en fait. Bah oui, mais bon. Est-ce que ça serait pas un manque d'information en fait, la grève? Bah à mon avis, si, je pense. Si, alors est-ce que tu pourrais réexpliquer à tous les citoyens français qu'il ne faut pas faire grève dans des termes assez clairs? Est-ce que tu peux le réexpliquer? Non mais attends, il y a des grèves qui sont faites à l'heure actuelle. Bon, il y a parce que c'est des problèmes avec les responsables syndicaux. Ouais. Et c'est ça à chaque fois, hein, Gérard, il y a pas que les routiers, hein, sans déconner. Mais de toute manière, je parle pas uniquement que des routiers. Bah, non, je parle,
On a parlé de la RATP, on a parlé des infirmières, on a parlé des médecins, des dentistes, des chauffeurs de taxi, des ambulances, tout le monde y passe dedans. Ouais, et Gégé, dans le milieu que tu fréquentes en ce moment, c'est-à-dire le milieu de la radio, est-ce que la grève est tendance ou pas? Est-ce que ça se fait dans le milieu de la radio de faire des grèves, tout ça? Bah, pour l'instant, j'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas si ça se croit. Bah, toi, quand t'avais disparu de l'antenne, là, pendant plusieurs mois, c'était un petit peu une grève d'antenne, en fait. Mais ça, c'était pour que vous compreniez qu'à un moment donné il y avait une limite à respecter vis-à-vis des auditeurs et puis c'est bon clair. Donc apparemment ça a l'air de bien se repasser, donc on verra si on pas comme avant et c'est tout. Gérard, pour répondre à ta question, c'est d'abord je tiens à te féliciter Gérard pour aborder ce genre de thème à la radio. De toute manière c'est le moment des grèves, donc ça s'arrête pas alors. Ouais, c'est clair, mais en plus c'est un sujet d'actu et moi tu sais je suis comme toi, je suis de tendance bolchevique. Et j'irai dans ton sens en disant que ouais si tout le monde fait grève, c'est clair que l'entreprise ne peut pas survivre à ça. Bah c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, voilà. Ouais. Alors quand tout le monde fait grève, personne n'est payé, donc à la rigueur l'entreprise ne fonctionne pas, mais de toute manière il y a du licenciement dans l'air et c'est pour ça que les gens font grève pour éviter c'est pas malin, ils font grève pour pas perdre leur emploi, c'est débile. Mais oui, mais alors dans ces cas-là pourquoi qu'on va mettre une entreprise en danger. Peut-on, n'est-ce pas, moi, c'est la question que je me pose. Peut-on faire grève alors qu'on est déjà licencié, monsieur Gérard? Mais ça, faut pas confondre. Parce que là, ce que vous dites, monsieur Mazur, d'accord, mais une fois qu'il est licencié, il peut pas revenir dans l'entreprise, c'est bien ça qu'il faut bien se mettre. Tu fais grève des acédiques, tu peux, tu te mets en grève. Mais d'accord, mais ça, c'est pas pareil. Oui, bon. Monsieur Gérard, je posais cette question dans un but bien précis, n'est-ce pas? Rappelez-vous ces images télévisées d'un personnel bloquant l'entrée d'une usine alors qu'ils avaient déjà perdu leur emploi. Mais oui, mais ça, c'était pour garder la survie de l'entreprise, c'est ce que j'essaye de... Laissez-vous les euros. Moi j'ai compris, hein, c'est François Birou, que l'on est licencié, quel est l'intérêt de vouloir garder la survie de l'entreprise? Oh là 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 là, mais c'est pour garder, pour éviter que l'entreprise se casse la gueule, que le personnel fait grève, c'est tout. Oui, mais débouchez-vous les euros. Les euros. Merde. Les euros, monsieur Mazur. Oh, punaise. J'ai bien compris, monsieur Gérard. En fait, il y a des gens qui font grève et qui empêchent les gens d'entrer dans leur usine pour travailler. Et les gens qui rentrent pas pour travailler, eux, ils font pas grève. Et en fait, eux, ils risquent de perdre leur emploi. Donc, c'est pas malin de bloquer les usines, de bloquer les entrepôts, tout ça. Parce que moi, quand il n'y avait pas d'essence, je pouvais pas aller travailler. C'est pareil. Tu fais quoi, toi, comme boulot? Je travaille dans une banque. Ouais, mais attends, mais les banques, c'était pas les banques qui ont été ils ont pas été réquisitionnés les stations-service pour les banques, ils les ont vous avez compris, c'est uniquement que pour les services d'urgence, c'est-à-dire ambulance. Moi j'ai pas pu aller travailler pendant. Dans ces cas-là, fallait prendre les transports en commun. Gérard, j'aimerais te poser une question. J'ai une petite question internet aussi. Il y a Mac Wallace qui demande. Attends, je vais noter. Qu'il demande si c'est vrai qu'il y a des gros obèses à tresse qui font des grèves de la faim. Mais ça, je répondrai pas à ces questions de Naz. Mais pourquoi? Non, parce que c'est une question que je répondrai pas, c'est tout. C'est vrai qu'il y a des obèses à tresse qui font des grèves de la faim. Je sais pas de quoi il parle. Non, mais je sais de quoi il parle, donc je répondrai pas à cette question. Voilà. On sait pas, nous. C'est bon. C'est François Birout. C'est François Birout, j'aimerais te poser une question. Est-ce que pour, justement, pour pas que ces gens-là fassent grève, fassent des manifs pour entraver le bon fonctionnement de l'entreprise, est-ce que t'es pour la réouverture des goulags? C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'es en train de me parler là comme connerie, toi? Les goulags, c'est des espèces de forts où on mettrait tous ces gens-là et on les traiterait bien. Ça serait un service 3 étoiles où on leur expliquerait bien comme il faut, avec Kalachnikov à la pluie. François Birout, ta question, elle est con. Au revoir. Non, lui dis pas au revoir, il reste. Allez, quoi, il reste. Allez. Oh là là, c'est difficile, hein. Au revoir. Quelqu'un d'autre, alors. François Birout. Cinquième. Ça tombe bien. C'est la 3, c'est François Birout qu'on a viré. Ça y est. Mais on accueille, du coup, Monsieur Crasu. Monsieur Crasu. Il appelle d'où? Monsieur Crasu, il appelle, demande-lui, il est là, il écoute par TPS, je crois, un truc comme ça. Oh là là, pas de marque.
Monsieur, hey. Bonsoir, c'est Monsieur Crasu. T'appelles d'où? J'appelle de Cinquetard en vaseline. Et tout à l'heure, tu vas t'appeler Cinquetard en vaseline, que tu vas te mettre de la vaseline dans le trou du cul et tu vas dégager. Oui, Monsieur Gérard. D'accord. J'ai finement répondu, Monsieur Gérard. Attention, j'ai réponse. J'ai réponse au chien. Je réponds du berger à la bergère aujourd'hui. Voilà, il y a la répartie, hein. Alors attention. Oula. Je suis remonté à bloc, alors attention. Attention. Et au standard, vous éteignez vos micros. Oh, pardon. Ah, mais elle bosse. Et elle bosse, elles sont en train de jacter, là. Oh là là. Vous prenez. Ouais, j'ai une autre question. Non, non, mais moi, vous prenez des gens au standard. Oui, mais sur moi, le net. Je fais les deux en même temps. Bon, non, mais Karine, elle va bosser. Il y a une pomme de terre qui demande si t'as fait mai 68. Non, j'ai pas fait mai 68, j'ai pas connu. Malheureusement, mais j'ai entendu parler de ce qui s'était passé. Ah, c'est donc, passé quoi? Il s'est passé quoi, ouais? Non, mais ça a dégénéré dans Paris, alors. Et Monsieur Gérard, de quel côté auriez-vous été si vous aviez fait mes 68? Alors, j'aurais été du côté de la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave, que pour l'instant, les questions, c'est moi qui les pose et les réponses, c'est vous qui les donnez. Il n'a même pas de poil à sa table, le communiste. N'y est pas. Toi, tout à l'heure, tu as dégagé, je vais en choper un au hasard, ça va faire mal. Il crachait pas. Ouais, toi, tout à l'heure, je vais te cracher sur le coin de ta gueule, toi, tu as dégagé. Alors, y aura-t-il des grèves au moment des élections? On va demander à Cracus, là. J'éjaculais pas. Crasuc! Oui, je Crasuc, je suis là. Non, je pense qu'il y aura pas de manifestation pour les élections, parce que les gens seront trop occupés à aller voter. Ouais, bah ça, à mon avis, j'y crois pas trop. Alain Madeleine? À mon avis, s'il y a des manifs, il y aura une répression terrible. Il y aura une répression terrible, parce qu'en période électorale, tu sais comment c'est, il faut qu'il n'y ait pas de vagues. Donc à mon avis, ça sera étouffé dans l'œuf. Ouais, bah ça, ouais, c'est possible. On verra. Arlette Lagadou. Bah, écoute, Lagoudou. Lagoudou. Lagoudou, putain, broute de minou. C'est un hommage en plus. Oh, bah oui. Madeleine. Madeleine. Oui, bonsoir. Au revoir. Ah, c'est pas moi. Ah, non. Si, je t'ai reconnu. Non. Au revoir. Arrête. Au revoir. Bon, au revoir. Je l'avais reconnu, c'est lui depuis tout à l'heure qui s'amuse aussi. Robert V à la place. T'es trop fort, blaireau. Fais gaffe. Robert V à la place. Robert V. Robert V, t'appelles d'où? Oui, Robert V. J'appelle de Rambouillet. 101.9. Voilà. Quand je vous demandais, vous appelez d'où, vous me donnez la fréquence? Donc, je te disais, Gérard, que 101.9. Faire grève juste avant les élections, pour moi, ce serait pas malin. Et puis, de toute façon, personne n'en parlerait. Parce qu'en fait, l'impact de la grève, c'est pas la grève en elle-même, c'est qu'on en parle à la télé ou à la radio. Ça fait réagir les gens. Regarde, on est en train de le faire. Avant les élections, à mon avis, enfin, c'est ce que disait tout à l'heure un brillant analyste, ça a été étouffé dans l'œuf. Ah non, mais d'accord. Monsieur Mazur? Eh bien, écoutez, moi, je pense comme vous, monsieur Gérard, c'est-à-dire que lors des élections, il faut s'attendre à une grève monumentale de la part des électeurs, surtout, n'est-ce pas? Ben ça, de manière, c'est ce qui va se passer. Oui, parce qu'il faudra bien se dire une chose, que là... De droite ou de gauche, on se fera enculer. Voilà, de toute manière, t'as répondu à ma place, mais ça, de manière, on se fait déjà enculer. Hein, on respecte, par malgré qui, monsieur Gérard? Hein? Par qui, pardon? Par qui? Ben, par le gouvernement. Mais de manière... Patronat, non, mais faut se dire une chose, que là, en plus, ils choisissent le mauvais moment pour faire ça, parce que c'est les périodes de vacances de Pâques. Ah oui. Là, il y a la zone B qui part cette semaine. Ah oui. C'est clair. Bon voyage à eux. Ouais, ben. Bonnes vacances. Ça va être pendant la zone C. C'est déjà les vacances? Ben oui, il y a une zone qui arrête, samedi. Hein. Elles font la grève? Ben oui, ils arrêtent de travailler. C'est les profs qui font la grève? Non, c'est des vacances. Et puis, Karine, tes questions cons, tu te l'écartes où que je pense? Ah, mais t'arrêtes? Tu te calmes. Eh oh. Si je veux. On va faire grève. Eh oh. Tu vas faire ta réaction. Le patron, le jeudi. C'est qui? C'est moi. Écrase. On parle pas de l'anus à Karine. Oui. De manière, on n'est pas le jeudi, on est mardi. Et celui qui s'amuse à dire, je ne jouillais pas tout à l'heure, j'en chopais un au hasard. Il est éjaculé dans sa culotte. Celui qui s'amuse à ça, arrête. Merci. Donc la question en effet, moi allez, j'ai répondu. Il bouffait de la bite au bois de boubou. Bah alors Crasu, au revoir. Ah au revoir. Non, c'est pas moi. Au revoir. Au revoir Crasu. C'est pas lui hein. Bah tant pis, je vais pas le savoir. Comme ça va plus vite. Allez Gérard. Allez. Une grève peut-elle virer au drame lors du défilé? On va demander à Monsieur Mazir. On peut accueillir quelqu'un à la place? Ouais bah c'est Michel Tocard 120.3. Michel Tocard. Colo. Bonsoir Gérard. Bonsoir Michel Tocard. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Michel. Tocard. Bonsoir. Et on a toujours Robert V, hein, t'es toujours là? Je suis là, je suis vivant. Ok, parce qu'il faudra peut-être te réveiller un petit peu, toi. Hein, ouais. J'attends la question, Gérard. Bah, je viens de la poser. Et puis moi j'ai une question aussi. Donc vas-y, alors.
Il y a Francis Gabon qui te demande quel genre de chant peut-on chanter dans les manifs. Il te demande aussi s'il existe des karaokés de chants de manifs, genre l'International, la Marseillaise, la Traviata ou la Macarena, ce genre de choses. Quoi. Non, mais attends, hey, ils n'ont pas des questions un peu mieux à poser sur l'Internet? Tu veux pas faire grève d'Internet, Aurélie, là? Si, si. Non, mais elle va pas faire grève d'Internet, elle va me dire combien qu'on est, parce que j'ai pas de... Bah, on est monté quand même à 6200. Ah, pas mal. Bah, c'est 6203. Bien. Ouais, 200... Bon, alors, Robert V. Bah, si tu posais la question, déjà... Ouais, je l'ai posé, hein, la question. Une grève peut-elle virer au drame lors du défilé? Moi, je peux te répondre, Gérard. Bah, c'est à toi que je m'adresse, Robert V. Ah, mais là, c'est Michel Tocard. Robert V. Bah, Michel Tocard, d'abord. Mais, c'est moi qui... Pour l'instant, j'ai demandé à toi de me répondre. Tu me réponds ou je te dis au revoir tout de suite. Non. Vire-le. Bah, je pense que non, la grève, elle peut pas tourner au drame parce qu'il y a de la sécu. Il bluffe. Il y a de la sécu, il y a des flics, il y a... Correct. Oh! Faux! Il jouait pas. Bon, Michel... Tu maîtrises rien, là, Gérard. Michel Tocard. Oui, bon, alors... Tocard, pardon. Oui, plutôt. Bah écoute, les grèves, Gérard, bien sûr que ça peut dégénérer. Moi, j'ai fait une grève et on a complètement tout cassé. Moi, je suis bon, t'arrêtes avec ça, là. Ah, mais je fais rien, arrête. Ouais, c'est pas moi, c'est l'éditeur. C'est bon, hein. Arrête. Ah, regarde. Allez. Michel Tocard. Oui. Donc moi, écoute, putain, mais... Je suis un casseur, moi, de toute façon. Oh là là. Allez, vous voyez. Oh, tu te réveilles, Michel Tocard! Mais je suis réveillé, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu réponds! Bah, et toi, t'arrêtes avec de faire n'importe quoi aussi! J'appuie sur rien, je te promets! Tu réveilles ton équipe, Gérard, là! Oh là là! Oh là là! Oh, le standard, là, vous bougez un peu! Oh, tu crains, hein! Oh là là! Oh, je sais pas si je reviendrai, hein! Ouais, bah, si t'as pas envie de revenir! Oh! Et les deux cochonnes, là! Oh, mais je te remercie! Elles aiment ça, hein. Continue. Vas-y, traite-nous encore de cochon. Hey, Michel Tocard. Oui, donc un défilé, oui, ça peut dégénérer, mais quoi, un défilé de mode, un défilé de quoi, Gérard? Mais vous êtes vraiment des cons, hein. Ah, mais moi, personnellement, oui, j'en suis un. Ouais, bah alors, t'es vraiment un con, bah tu vas rentrer chez toi, tu vas aller voir dans ta couette si j'y suis. Au revoir. 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 Piste cocktail. Eh putain, mais vous allez vous réveiller au standard là maintenant. Ah, vous faites quoi, hein? Allez, cochon. Parce que là, ça va morfler, hein, ce soir. Mais un disque là, parce que là c'est trop le bordel. Bon, alors. Trop le bordel là. Oh, bah, la question, c'est une. Combien est sur le net là? Une grève peut-elle virer au drame? Ah, mais attends, là il s'énerve. Lors du défilé, pour l'instant, quand je pose la question. Ah, pardon, excuse-moi. Une grève. Une grève peut-elle virer au drame lors d'un défilé? Et on va s'écouter, le train en colère s'est jeté un homme et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000, à tout de suite. Ce soir. Vous répondez à la question, vous Gerbez. Les débats de Gérard sur Fun Radio. Vous arrêtez de vous fendre la gueule derrière parce que tout à l'heure ça va, j'en sois pas au hasard. L'émission la plus trash de la bande FM. Eh, hey, tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. Et voilà, rebonsoir à tous pour la suite et fin du débat, si ça se passe bien, parce que sinon on va s'arrêter un peu avant, comme ça ira mieux, comme ça pour tout le monde pourra aller faire grève dans les couettes. Alors, on venait de s'écouter, les trains en colère s'est jeté un homme, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000, pour les Belges 033 08 5000. Bravo, c'était génial. Et sur le net, donc, on est à 5256. Bah, donc, j'espère que ça va se réveiller un peu plus et qu'il y aura des questions un peu mieux que les précédentes. Et pour ça, on récupère Arlette Lagadou. Oui, Lagoudou, bonsoir. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Henri Crade. Henri Crade. Oui, bonsoir, c'est Henri Crade Zobi. Et pour finir, Robert V. Je suis là, bonsoir. Et la question, c'était une grève peut-elle... Il y a un nouvel auditeur. Yes. Ah bah on est alors déjà... c'est qui? On est 5. Henri Crade Zobi. Bah oui, c'est ça moi. Y est, je l'ai annoncé. Oui, bonsoir. Non mais tu me prends pour qui toi, Karine, aujourd'hui? Il y a des problèmes d'alcool, Karine, alors. Ouais, je crois qu'elle a pas assez... Non mais elle a pas assez bu de sirop de cordon, il me semble. Ouais, tu connais bien. Ouais. Une grève peut-elle virer au drame lors du défilé? On va demander à Robert V. Et j'espère que tu as travaillé. Eh, ça va parler encore plus fort au standard, hein, On va parler plus fort. Comme ça, on comprendra encore mieux. Dans ton cul, ouais.
Donc, Robert V, au revoir. Oh là là, au revoir. Robert V. Au revoir. Bonne nuit. Oh, celui-là, je m'y attendais. Déjà qu'il voulait pas répondre tout à l'heure, ce coup-là, il a été servi. Henri Crade. À la place. Attends, Henri, oui. Ouais, parce que bon. Marc Bonduel. Oui, bonsoir. 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 Salut. T'appelles d'où? Ça va bien? C'est Bonduel. T'appelles d'où? Salut Marc. De Paris, 101.9. Merci. Bon, Marc, c'était sympa. La fréquence. Bon, c'est bon, on arrive. Non, mais 101.9. Marc. Salut Marc. Bonsoir. Et les deux cochons là-bas, ça va? Vous éteignez le micro? Non, mais on voulait faire. Non, on dit bonsoir. Vous éteignez le micro? Non, mais on est poli. Merci. Bonsoir les cochons. Et Marc Bonduel, tu réponds à la question, une grève peut-elle virer au drame lors du défilé? Alors, ça dépend si les mecs ils sont armés ou pas. Mais d'habitude, ils sont juste armés de leurs pancartes et de leurs slogans. Mmh. Ils ont des piquets aussi, des piquets. Ils ont des piquets de grève, effectivement. Mais c'est rare que ça tourne au carnage, hein. très rare. Ah, ben je pourrais te dire que tu te trompes un peu. Il faut savoir que maintenant il y a des cordons de CRS. C'est non super, non mais attends laisse je vais te répondre que tu verras et tu verras bien. J'attends ta réponse avec impatience. Henri Crade Zobi là. Zobi ouais il faudrait quand même pas négliger le phénomène des casseurs mon cher. Mmh. Parce que il faut savoir que quand même quand il y a des manifs il y a souvent des gars qui viennent juste pour de la casse. Ouais. Et que effectivement ça peut dégénérer en bataille rangée, hein. Mmh. Monsieur Mazur. Eh bien, écoutez, je me range tout à fait de votre côté, Monsieur Gérard. Il existe en effet, comme cela vient d'être mentionné, des groupuscules qu'on appelle des casseurs de grève, n'est-ce pas ? Ce sont des gens qui font partie la plupart du temps des forces de l'ordre et qui sont envoyés pour mettre fin violemment à l'action des grévistes. Arlette, pour finir, attends, une question nette, importante, non? Non, pas vraiment importante, mais bon, il y en a un qui te demande si tes neurones sont tous morts parce qu'ils ont fait une grève de la faim, mais bon, c'est pas très intéressant. Non, ça, c'est pas intéressant. C'est des neurones, c'est pas des neurones, c'est des neurones. Des neurones, hein. Pardon, parce que les neurones, je connais pas. Ouais, Arlette Lagadou. Arlette Lagadou. Oui, c'est bien ce qu'on disait. Moi, on a malheureusement eu l'occasion de voir les manifestations étudiantes, par exemple, virer au drame, ou aussi des manifestations... Attends, pourquoi tu te marres, toi? Parce que j'ai dit une connerie. Non, c'est bien les euros, parce qu'on est passé aux euros, t'as raison. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a pas de problème. Ouais, donc tu disais, pour la manifestation des étudiants, ouais. Bah, c'est souvent que les manifestations étudiantes tournent mal, quoi. Mmh. Ouais, ben de toute manière, c'est dans un sens c'est vrai parce qu'il faut se dire une chose que bon, d'accord, faut bien dire aussi ce que dans Marc de Scan il voulait préciser. Ah mais ça c'est dû au phénomène des casseurs, je suis tout à fait d'accord. Mais ça c'est qu'il y en a qui intègrent la manifestation et qui n'en font pas part. Bah oui. Dans quel sens, tout à l'heure, je vais te dire au revoir, parce que tu vas pas me gonfler quand je parle, merci. Ouais, donc il y en a qui s'incrustent dans les manifestations qui n'ont rien à voir, hein. Henri. Non, c'est pas moi, attention, c'est pas moi. Marc. Non plus. Non, mais j'ai un Christ. Et moi, je vais juste chercher deux verres d'eau, hein. Ah. T'en veux un? Non, mais ça y est, et puis quoi encore? Je sais pas, on a soif, et pour parler, tu vois, c'est des. Ah ouais, c'est. Faut se dire. Merde. Sinon, ils vont faire grève, hein. Ouais, donc, je disais qu'il y en avait. Vas-y, il y en avait qui rentraient dans la manifestation, donc ils étaient pas invités, et donc ça terminait souvent à la catastrophe. Il faut des invitations pour les. Non, mais même. Ouais, il faut bien se dire une chose, que même avec les cordons de sécurité, comme Henri disait, hein, c'est toi Henri qui disait ça? Oui, on va dire oui, mais tu parles des appariteurs en fait, c'est ça? Ouais, mais les ça... appariteurs de la police. Non, ça c'est... Les mecs qui viennent dans les manifs et qui font croire qu'ils sont des manifestants et qu'en fait ils foutent le bordel, alors qu'en fait c'est des gens de la police, on connaît. Ouais, non, mais de toute manière, faut quand même dire que moi j'ai vu là, il y a pas si longtemps que ça, une grève des infirmières, c'est quand même les CRS qu'on commençait en premier, hein. Non, mais c'est pas ça dont on parlait. Elles ont foutu sur la gueule carrément. Bah oui, elles méritaient. Et on se souvient tous de cette image où il lançait carrément un canon à eau sur les infirmières il y a quelques années, c'est... Bah oui, mais de toute manière, c'est pareil. Ouais. Voilà, donc on a fait le tour de la question. Vous avez peut-être soif. Alors, quelqu'un a soif? On a des verres. Hein. Non, mais c'est bien parce qu'elle me propose un verre d'eau, elle me le ramène même pas. Ah bah t'as fait dit oui, tu réponds pas. Existe-t-il des grèves lors d'une manif, lors d'une compétition sportive? On va demander à Arlette Lagadou. Lagoudou. Jamais vu. Ah si, il y a un pays qui a fait grève, qui manifestait en fait sur Israël pour les JO de 1936 où l'Allemagne a participé.
Oula, tu me parles de 1936, oh là là, attends, compliqué. J'étais pas né, moi. Et alors, c'est pas parce que t'étais pas né qu'il s'est rien passé. Ouais, mais moi, j'ai pas écouté, oula. Quand la vie a commencé à ta naissance. Ah, mais ça, si tu vois pas. Attends, ça, toi, attends, mais Karine, tu vas t'occuper de ton standard. Parce que moi, tout à l'heure, je vais te renvoyer, la monnaie de ma pièce, tu vas voir. Toi, il va t'arriver des problèmes avant la fin du débat. Hein. Avec ta pièce, tu te la cardes dans le cul. Ouais, bah toi, tu as Henri. Au revoir. Au revoir, Henri. Au revoir. Bah, ça tombe bien parce que depuis tout à l'heure, il y a Fabien Zincou qui atteint. Donc, Fabien, bonsoir. Bonsoir. Ouais, tranquille, Gérard. Bonsoir. Salut, Fabien. Fabien, oui, ça va, Fabien? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Fabien. Tu appelles d'où? Oui, bonsoir, monsieur Fabien. J'appelle de Ripa. C'est où? Fabien Zincou. 100.9. Pareil. Eh, je sens que tout à l'heure, ça va chauffer, mais grave pour votre matricule, les auditeurs. Ça va chauffer dans ton cul. Non, alors Marc Blondel, au revoir. Non plus. Au revoir. Salut. Marc Blondel. Ça fait un plaisir. Ça me fait. Décidément. On accueille Mister. Mais non, mais te marre Monsieur pas. Wallace. Monsieur Wallace. Bonsoir. Oh non. Fréquence. 1.9. Eh, putain. Eh, au standard. Ouais, quoi. Eh, toi, tu fermes ta gueule pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Déjà, quand on est poli, on laisse parler celui qui parle. Mademoiselle. Au standard, ça vous dérangerait pas? Ça vous écorcherait pas un peu les aurones? De me prendre des auditeurs de province. Allez, faut secouer les euros. Les provinciaux, c'est nul. Mais attends. Et les routiers aussi, hein. Et toi, je te jure, toi, il va vous avez, et au standard, il va vous arriver des tuiles avant la fin, hein. Parce que si vous voulez pas prendre des gens de province, moi, les gens de Paris, c'est pareil. Bah, hein? Je sais pas, moi, je m'occupe des gens de Paris, car ouais, bah, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, il y a des gens de province qui appellent, je suis sûr. On sélectionne pas par région, on sélectionne par intelligence. Oh. Sérieux, hein, il y a des bouseux qui appellent, prenez-les. Hein. Mais pas de bouseuses. Même des paysans. Ah ouais. Allez, existe-t-il des grèves lors d'une compétition sportive à la Gadou? La Goudou. Mais je t'ai répondu déjà, Israël, Monsieur Mazur, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Gérard, il peut tout à fait se trouver que certains sportifs, étant en inédiction, bien entendu, avec un certain contexte politique, religieux ou moral, décident de s'abstenir de participer. Oh là là. Tiens, Marie-Josée Pérec. Eh, attendez, je préviens, entre Fabien et Wallace, si j'entends encore une musique comme ça, gerbe tous les deux d'entrée. Ah non, c'est pas moi. Ça va aller vite. Alors, monsieur Mazur, pour finir. Eh bien, écoutez, je viens de vous répondre, monsieur Gérard. T'es sûr, Gérard? Ok, Wallace. Oui. Je peux répéter la question? Oula, allez, Gérard. Wallace, ben au revoir. Ouais, enculé toi-même, connard. Ah, ça, c'est malin, ça. C'est tout raide, les Mac Wallace. Fabien. Bah écoute Gérard, oui, il peut y avoir des grèves hein, dans certains événements sportifs, comme le précisait quelqu'un tout à l'heure, Marie-Josée Pérec. Ouais, ça c'est au standard, ouais. Elle s'est sauvée, hein. Ouais, mais ça peut... Et elle a fait grève. Non, mais ça, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est qu'elle était harcelée quand même, hein. Oh, ça, c'est ce qu'elle a dit. Ouais, c'est ce qu'elle dit, ouais. Ouais, mais c'est ce qu'elle a dit. Non, c'est ce qui a été dit. Et de toute manière, je peux vous dire qu'il y a eu des grèves, il y a pas si longtemps que, je crois que c'est l'année dernière. Ta gueule, toi. C'est vrai. C'est l'année dernière, sur le Tour de France, qu'il y a un moment donné, ils ont été forcés de faire intervenir les forces de l'ordre, parce qu'ils personne voulait les laisser passer. Et ben, normal, ça tombe bien. Ta gueule, toi, connard, derrière. Et de la bouche aussi, hein. Ben, non, mais je sais d'où ça vient, ça vient de derrière, encore. Ah bon? Alors, qui c'est qu'on a? On a, Ta gueule! On a Jean-Marie Fessier. Salut, Jean-Marie. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Bonsoir, Jean-Marie. Salut, Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir. 116.6. Ouais. 116.6. C'est dans le Morbihou. Dans le Morbihou. Donc, alors, la question, tu l'as comprise? Non, je l'ai pas entendu, malheureusement. Il y a des chaussures, des plaques de verglas. Putain, vous voulez? Ça commence à bien faire, maintenant. Celui qui s'amuse avec les cassettes, ça va chier. Bon, alors, Arlette, tu te marres comme une pétasse. Au revoir. Au revoir. Parce que c'est elle qui s'amuse à faire les conneries. Allez, hop. Mais là, faut se réveiller, là, Gérard, parce que là, on est combien? Ouais, c'est le boxon, là. Là, on est à peu près 4009. Oh là là, ça baisse, ça baisse. Ça craint, Gérard. Là. Ouais, mais comme il y a des questions qui sont cons, alors. Non, ah bah oui, c'est toi qui l'ai fait, hein. T'as qui la faute, Gérard?
les questions cons. À qui la faute, on se le demande. Ouais, hein. Va bien, au revoir. Non, t'arrêtes pas de virer les gens. T'arrêtes pas. Tu vas virer quelqu'un et là, ça y est, on est à tomber à 3006 là. Mais ouais, arrête de virer les gens. Alors, sondage, comme ça, le temps qu'on aille des auditeurs, je vais faire un petit sondage. Allez, vas-y. À la question, quels sont les plus grands grévistes alors? 35% des gens répondent les chômeurs, ça c'est vrai. 12% répondent des animateurs radio qui font des débats qui ne servent à rien, c'est faux. On voit pas qui, hein. 4,7% répondent la SNCF. Bon, à la rigueur, si on veut. À la rigueur. Et quelle est, d'après vous, la meilleure raison de faire une grève? C'est 57% des gens répondent suite à un accident de travail. Je vois pas le rapport. Ouais. 33% des gens ne veulent plus travailler avec des gens racistes. Ça, je vois pas. Et 27. Alors là, je vous préviens, le prochain débat que je vais faire, si j'ai la moitié des réponses sur le net, ça va pas être bon. Mais sur quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Vas-y, dis. Quelle est, d'après vous, la meilleure raison de faire grève? Alors, à la troisième question, à 25%, à 2,5%, des gens qui disent quoi? Hein? On comprend rien du tout, là. Bah, c'est toi qui comprends rien. Non, mais des gens. Ouais. Hein. Bon, peut-être des euros, là. Des gens. C'est marqué des gens, et après, j'ai que dalle. Et 10% des gens refusent de travailler aux heures hors cantine. Je vois pas le truc, mais bon. Bah, ça doit te préparer tes débats, hein. C'est à toi de voir. Non, mais c'est pas à moi de faire les stacks, c'est à l'équipe. Ok. Ok. Alors, on accueille. Vas-y, Gérard. On a qui? On a rien. On a rien, mais les gens font grève. Alors, attends, t'as vu comment tu les jettes tous? Je vous préviens. Si d'ici 10 minutes je n'ai pas d'autres auditeurs, je refous un disque et j'arrête. Et je fais grève. On a quand même quelqu'un. Ça va aller vite. Monsieur Mazur. Alors la question. Tu vas faire tes débats tout seul à la fin. Non, mais vous cherchez, vous foutez rien. Mais ouais, mais gueule un peu, tu fais rien. Alors, pète un plomb. Regarde, ça y est, on cherche. Non, mais vous allez le faire, donc disque. Allez, un disque. C'est le bordel, Gérard. Allez, Gérard. C'est quoi la suite? Disque. Allez. Arlette et les Girls Mike, la quille est rentrée dans mon pied. On se retrouve tout de suite après pour. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique. Celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc rebonsoir pour la suite et fin du débat sur les grèves. Donc pour l'instant, on a que Monsieur Mazur encore. Bah oui, mais en fait, c'est je genre. Ne sais pas où est Karine. Bah Karine est partie, elle est partie aux toilettes. Voilà, je crois qu'elle fait Karine revient. Petit, mais en fait, je ne sais pas où Jean-Marie. Jean-Marie, t'es là? Toujours là, Jean-Marie Fessier, grand patron, bonsoir. Ah, donc, s'il y a... Arlette, s'il y a quoi? Voilà, il y a Arlette aussi. Ah non, j'avais dit au revoir. Bah non, je suis là. Arlette et Gounou. Bah Gougou. Ah si, j'avais dit au revoir à elle, hein. J'avais dit au revoir. Attends, il y a Karine qui arrive. Ah, elle revient, Karine. Je sais pas sur quelle. Non, mais c'est... je t'avais dit au revoir, Arlette, parce que tu déconnes trop, donc je t'ai dit au revoir. On lui dit au revoir. Allez, au revoir. On y avait dit au revoir. Au revoir, Arlette. Arlette Lagadou, on y avait dit au revoir. Bon, qu'est-ce qu'on a écouté là à l'instant, Gérard? On venait de s'écouter, oui, j'ai oublié de vous redonner. Ah, bah bravo. Arlette et les Girls Munk, la quille est rentrée dans ton pied. Et voilà, donc. Pour nous appeler, allez. Donc pour nous appeler 0825 08 5000, j'espère que ça va se réveiller. Karim. Et Belgique. Eh oh. Et la Belgique 033 0825 08 5000. Et puis pour le chat. Et pour le chat www.funradio. Et donc qui c'est qu'on a par Monsieur Mazur et Jean-Marie? Ben on a Arlette. Non, je viens de lui dire au revoir. Bah c'est tout. Oh là là. Putain mais bon alors. Oh là là. Attention. Bon, on va regarder toutes les lignes. Là, il sort non, mais vous me prenez. Pas victime d'une grève, monsieur. Là, je crois que ce soir. C'est pas une grève, c'est la révolte. Le débat est mort. Mais non, monsieur Gérard, ressaisissez-vous. Allez, on y va, là. Parce, non, ben, je peux pas travailler avec que deux auditeurs. Ah, tu peux commencer à amener la question, on va commencer. Allez, vas-y. Ouais. Alors, lors d'une grève, doit-on séquestrer le patron dans l'usine? Donc, ça revient à peu près à la même question que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire ouais, sur la survie de l'entreprise, c'est pareil. Ouais. Donc on va la zapper tout de suite, comme ça va aller plus vite. Alors les grèves que l'on fait, c'est pour défendre notre gagne-pain. Donc Monsieur Mazur, pour vous. Ah oui, ben écoutez, bien entendu, tout à fait, oui. Mm-hmm. Et Jean-Marie? Ben écoute, ouais, je pense que si tu fais la grève, c'est parce qu'en fait, plus souvent tu fais la grève pour ta famille, hein. Parce que toi, à la limite, bon, pas travailler, à la limite, c'est plutôt cool, tu restes à la maison, tu branles rien et tout, mais faut
quand même faire rentrer un petit peu d'argent pour faire vivre ta famille. Donc en fait, si tu fais la grève, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Mmh. Moi, non, je pense mais que c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc en fait, oui. Cependant, je puis me permettre d'intervenir. Salut Evan. Non, pardon. Oh, mais ça y est là, vous laissez. Elle vient de te dire bonjour. Non, mais il y a Evan qui vient de dire bonjour. Non, mais c'est bon, mais. Monsieur Gérard, salut. Ta gueule, Evan. Toi, commence pas. Commence pas à me casser les biens. Il faut arrêter. Bon alors, qui c'est qu'on a en standard? Oh! Allez les filles! Tout simplement. Et alors il est Gérard! Ta c'est gueule! Très rigolo. On va fermer la porte. Hein. On a trop de kystes. Très rigolo. Et Henri Lejoint, tout simplement. Alors après? Bah après, ça fait déjà 4. Et non mais attends, redonne-moi les noms. Alors j'ai très rigolo. Non mais très rigolo. Chacun que se présente, présentez-vous. Alors très rigolo, bonsoir. Bonsoir. Ouais, bravo les filles. Super les nanas. Salut les cochonnes. Non mais très rigolo, c'est personne, c'est un commentaire. Non mais c'est pas mal. Karine, un avertissement. Mais c'est pas vrai. Au deuxième t'es viré. Tu vas voir. Toi t'es zone, tu vas les... Wow. Attends, oh là là, hey, parle pas de ces zones comme ça. Hein. Oh, c'est chaud. Trop de kystes et Henri Lejoint. C'est rigolo, bonsoir, c'était moi, c'était... Et on a Monsieur Mazur aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Et le dernier. Bonsoir. Oh salut. Le dernier. Bonsoir. Henri Lejoint. Merci. Et bonsoir Monsieur Lejoint. Alors, la question c'est... Oui Gérard, alors, la question c'est... La question c'était les grèves que l'on fait, c'est pour gagner, pour défendre le notre gagne-pain, donc Jean-Marie. Ah bah t'avais dit oui. Déjà, très rigolo, oui. Trop rigolo. Trop rigolo. Ouais. Non, trop quiz là. Trop de kystes. Ouais, trop de kystes. Ben non, Gigi, écoute, moi je pense que c'est pas seulement pour le gagne-pain, parce que par exemple, tu vois, il y a des gens qui font des grèves de la faim. Hmm. Et ben c'est pour défendre leurs droits, tu vois. Donc, ben, ouais, mais non, mais la question c'est non, pour ça, bon, ok. Henri Lejoint. Moi je mange pas de pain, je mange que des biscottes. Non mais attends, on s'éloigne là, c'est pas bon. Je crois que tu t'éloignes vachement de ma question. Ou peut-être qu'il se fout de ta gueule, hein. Mais si tu te fous de ma... Gagne-pain, à ton avis, c'est quoi? À ton avis? Non mais attends, c'est qui t'a sélectionné? C'est Karine? Vas-y, balance. C'est toi? C'est qui là? C'est trop de skits qui parle? Ouais. Non, c'est Henri Lejoint qui... Ah non, c'est pas moi, alors je connais pas, je crois que... Oui, non mais Karine... Il s'est incrusté, ouais. C'est quand... Il a la ligne directe. C'est quand tu veux, tu me les réveilles bien, bien. Henri Lejoint, tu peux te réveiller? Non mais attends, tu le prends en antenne et tu vas le réveiller. Et après, réveille-toi, je vais y reprendre. Henri Lejoint. Allez, réveille-toi. Allez Henri, réveille-toi. Merci. Alors, ouais, bon. Karine, c'est même pas la peine de rigoler. Allez hop, terminé, tu lui dis au revoir, comme ça il sera... Ah non, ne dis pas au revoir, arrête. Il n'y a plus personne, arrête. Non, mais c'est bon. Arrête, non, il n'y a plus personne après. De toute manière, j'arrête dans... Dans une heure. Non, même pas, j'arrête dans 4 minutes. Dans 4 minutes, j'arrête. Non, une heure. Non, j'arrête dans 4... C'est moi qui commande, c'est pas toi. La question, pour défendre notre gagne-pain, comme Jean-Marie disait, donc oui, parce qu'en fin de compte, tu fais grève, donc c'est pour quand même avoir plus d'argent. Pas parce que c'est à cause des 35 heures, donc faut bien se mettre ça dans sa tête. En tout cas, on l'a briefé, ça y est, il est réveillé là. Bon alors, Henri Lejoint. Et puis, tu sais, ça s'est réveillé aussi sur le net. Mmh. On est 7298. Waouh! Wow. Ah, quand même! Parce qu'ils ont compris que je partais dans 3 minutes. 7000 combien? 7298. C'est pas mal, hein? Pas mal, hein, Gérard? Allez, vas-y avec la question. Donc, Henri Lejoint! Ouais. Donc, tu fais grève pour défendre ton gagne-pain, mais tu fais aussi grève pour défendre les droits des autres. Bah, de manière, c'est en principe, si tu fais grève, c'est pour tout le monde, hein? Que tu fais pour patron aussi. Mais c'est aussi pour sa gueule quand même. Ouais, c'est en principe pour sa gueule. C'est plus pour ta gueule que pour ton patron. Oui, Gigi. Oui. C'est très petit. Je peux poser une question? Vas-y. Alors, est-ce que tu considères que le chômage c'est une forme de grève illimitée? Ouais, voilà. Bah, de manière, le sondage, je te l'ai dit tout à l'heure, mais de manière, pour les chômeurs, c'est vrai qu'ils ont pas obtenu ce qu'ils ont voulu, donc. C'est terminé, oui. Merci. Allez, Gérard, enchaîne. Ouais, toi-même, connard. Donc, je disais que, pour les chômeurs... Putain, ça... Et de la bouche aussi. Allez, Gérard, Gérard, oh là là. Bon, tout à l'heure, je vais en virer un au hasard, hein. Ouais, commence tout de suite. Je vais pas chercher.
Donc, je disais, pour répondre à la question d'Henri Lejoint, donc, en fin de compte, si tu fais grève, c'est pour toi, c'est pas pour les autres, et puis c'est pas pour ton patron. Parce qu'il faut bien dire une chose, que, comme on disait tout à l'heure sur les questions, il y a trop de grèves à l'heure actuelle, et manque de peau, ils peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent encore, et donc, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler des grèves. Et je pense que ça va durer encore un bon bout de temps. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette question. Et pour l'avant-dernière question, hein, voilà, question subsidiaire. Subsidiaire, oui. A-t-on le droit de boycotter les préavis de grève? On va demander à Henri Lejoint. A-t-on le droit de quoi? De boycotter. C'est-à-dire que si tu lances, s'il y a un préavis de grève, est-ce que tu as le droit de boycotter pour pas le faire? Voilà ce que ça veut dire. Explique-lui, hein. Boycotter, ça... Putain, mais je viens de te dire. Boycotter, ça, c'est pas un mot français, boycotter. Ouais. Non, alors c'est quoi comme mot? Bah, c'est anglais. Ta connerie, elle est anglaise ou elle est française, boy. Celle-là? Boy, c'est français? Oui, boycotter, c'est français chez moi. Ah ouais? Bah ouais, ouais, je suis pas sûr. C'est un garçon. On va sortir le dico. Cote, tu sais ce que c'est quand même. Oui, cela voudrait dire mettre un garçon de côté, monsieur Gérard. Ouais. Ah bon, bah, enfin bref. Alors couper un garçon, hein. Oh là, chaud. Tout à l'heure, quand je te coupais la tête, ça va pas de pari au standard. Oh là là, qu'est-ce que c'était parce drôle. Parce que là, vous allez me prendre des gens au standard. Si ça, c'est avant pas de la répartie. C'est de l'étymologie. Oh là là. Oh là, ça part en couille, Gérard. Gérard, allez. L'étymologie dans ton cul. Alors, Henri Lejoint. Au revoir. Au revoir. Trois quiz. Trois quiz une fois, trois quiz deux fois. Il s'appelle Trotskiste. Trotskiste, hein. Trop de kiste. Oui, ben non, je pense que c'est pas possible. Ah bon, toi, ça y est, toi, t'as même pas compris la question, tu me dis c'est pas possible d'entrer pour toi. Tu l'as compris, toi, ta question? Oui, moi, je l'ai compris, la question. Bon, d'accord. Et si t'es pas content, mon pote, je suis pas content, je te pose la question. D'accord? Je suis pas ton pote. Donc, Jean-Marie. Ouais, bah écoute, c'était quoi la question? Attends, je viens de zapper, là. Oh non, mais attends, tu te fous de ma gueule, là? Vas-y, repose-la, Gérard. A-t-on le droit de boycotter les préavis de grève? Le boycottage, franchement, moi, je trouve que c'est un petit peu... C'est tendancieux d'appeler au boycottage comme ça, hein. Pourquoi? Ça ruine l'entreprise, donc en fait, ça va pas améliorer sa situation, donc elle aura encore plus de problèmes, donc encore plus de licenciements et compagnie. Donc franchement, je pense pas que tu puisses comme ça appeler au boycottage sans impunité. D'accord. Monsieur Mazur, pour terminer. Bien, monsieur Gérard, je dois simplement ajouter que boycotter un préavis de grève est interdit par le Code du travail. Vous n'avez pas le droit en tant que patron, n'est-ce pas? Vous D'accord. devez comprendre que les ouvriers vous envoient un boycott de préavis. Mais dans ces cas-là, si le patron dit bon demain personne travaille, t'arrives devant l'usine, tu fais quoi? Mais attendez, monsieur Gérard, ça n'est pas le patron qui dit personne. Attendez, monsieur Mazur, ça vous dérange au standard d'éteindre votre micro, là? Non, parce que j'allais parler. Ah bon, bah alors donne-moi le. Si c'est pour avoir un auditeur, tu peux le dire tout de suite, hein? Bah, que d'attendre que ça ne va pas te déranger. Hein. La voix de monsieur Mazur. Alors on accueille Marie-Michel Alliot. Marie-Michel, bonsoir. Marie-Michel, bonsoir une fois. Bonsoir. Éteins ta radio derrière toi, oui. S'il te plaît, merci. Bonsoir, mademoiselle Michel Marie. Bonsoir, monsieur Mazur. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir. Voilà. Donc, la question du boycottage, t'as entendu? Boycottage, non, j'ai pas entendu. A-t-on le droit de boycotter les préavis de grève? Non, on n'a pas le droit. Oui, monsieur Gérard, reste normal, nous entendons. Tu mets j'appuie sur rien. Ça commence à bien faire le bruit des vaches, hein. Ah, y a le vent, là. On n'a pas le droit d'aller à l'encontre, en fait, de la volonté populaire, parce que la grève, c'est un peu ça, la volonté populaire. On n'a pas le droit d'aller à l'encontre. Donc, même s'il y a des choses qui se font en amont, il y a des choses aussi qui se font en aval. Mais de toute manière, comme je disais tout à l'heure, pour répondre à monsieur Mazur, qu'on a coupé parce que... ça vous a pas fait trop mal, monsieur Mazur. Écoutez, non, j'en souffre plus au niveau de l'amour propre, n'est-ce pas? Bon, donc, je disais que si le patron décide que demain, personne travaille, et ben demain, les employés ne viendront et retrouveront, monsieur Gérard. Oui. Pardon de vous interrompre, mais à nouveau... Et ben, le boycottage, c'est pour éviter que le patron bloque les accès à l'usine. Voilà. Tout à fait, monsieur Gérard, mais ce n'est pas au patron de décider que, si le patron, n'est-ce pas, décide que le lendemain on ne travaille pas,
Alors c'est un jour chômé et non pas une grève. Ouais, non, mais dans ce cas-là, de manière, parce que la question, je voulais pas la passer, mais on va la, je vais en toucher deux mots. Oui. Donc en fin de compte, c'est qui organise les grèves et pourquoi ils le font. Donc en fin de compte, c'est les comités d'entreprise qui décident avec les syndicales, avec les syndicaux, pardon. Les syndicaux. Ouais. Voilà. Donc voilà. Vous maîtrisez le sujet, Monsieur Gérard. Bravo. Voilà. Donc c'est tout. T'as potassé, ouais. Ouais, chaud. Et donc, pour terminer, connaissez-vous le proverbe « Attention, une grève peut en casser une autre ». Oh là là. Ça, c'est assez. Il y a une personne qui est arrivée. Bien, non, mais c'est sur bon. Sur le net, il y a une personne en plus. Il y a 7299 personnes. Ben, de toute manière, c'est terminé. Le débat, il est clos. Mais non, il reste encore une heure. Non, j'ai dit qu'il était clos. Donc, Marie-Michel Alliot, Marie-Michel. Marie-Michel Alliot, c'est une expression populaire. Que la grève s'adresse au peuple, qui est emprunté évidemment au code de la route. Un train peut en cacher un autre. Non, mais ça, c'est. La subtilité n'est pas la même. Mais là, je vous laisse l'occasion d'expliquer, puisque je suis sûr que vous allez le faire brillamment, ce que cette expression signifie. Mais en fin de compte, ça veut dire que là, il y a. Laissez répondre les autres. Alors écoutez, monsieur Gérard, moi je ne connaissais absolument pas cette expression fort charmante, je l'avoue. J'avais entendu parler d'un bolchevique peu caché un trotskiste, mais pas de celle-ci, monsieur Gérard. Vous me l'apprenez, j'en suis fort aise. Mais de toute manière, ça fait comme si que je disais un train peut en cacher un autre, comme a venu dire Michel Alliot-Marie. Trotskiste. Oui, mais monsieur Gérard, est-ce que... Non, mais c'est bon, monsieur Mazur. Monsieur Gérard, qu'il pourrait y avoir des grèves à la SNCF. Bah, de toute manière, la SNCF, ils vont bien nous faire une petite... Ils vont bien nous lancer un petit préavis de grève, pour le week-end de Pâques. Mais non, ça n'est pas leur genre, monsieur Gérard. Oh non, bah, ils vont bien arriver. Et en parlant de ça... Ouais. S'il y a des grèves SNCF qui sont annoncées... Oh là là. Dans le sud, du côté de... Je sais plus où, là, il y a des... Trokiz. Au revoir. Au revoir. Il y a un préavis de grève il y a une grève qui est annoncée demain sur les TER en Midi-Pyrénées justement. Prenez Trotsky à la place. Non, mais c'est bon, c'est terminé. Mais non, c'est pas fini. Pour la conclusion, c'est bon. Oui, il reste encore une heure. Tu vas pas faire débat avec trois personnes. Oui, monsieur Mazur. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'un TER, s'il vous plaît? Oui, un train, je sais plus comment que ça s'appelle. Équipement régional. Voilà. Voilà. Ah, bah, de toute manière, elle doit être du coin, donc elle doit être au courant du préavis de grève parce que ça a été annoncé aux informations. C'est cool sur l'antenne. C'est qui? C'est Karl Marx. Bonsoir, pas Karl Marx. Bonsoir. Salut Karl Marx. Oui, bonsoir, monsieur Marx. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc voilà, pour l'instant, on fait conclusion du débat. Déjà? Il est 2 heures. Ouais, mais arrête. Non, 2 heures, ça y est, c'est terminé. Moi, j'ai signé pour 2 heures, hein. Non, Gérard, mais ça y est. Monsieur Gérard, ne pourrait-on continuer ne serait-ce qu'une dizaine de minutes? Allez, Gérard. Une dizaine de minutes, c'est bien. Tu vois, les gens, ils ont envie. Vas-y, Gérard, ils ont envie. Il des questions, Gérard. Il t'en reste combien des questions? Il y en a plus, c'est terminé. Menteur, il en reste. Il est 8600. Avant-les. Non, mais ça y est, c'est fini, on va laisser la place à la feignasse des vannes. Conclusion! Vas-y, fais pas ta pute, là. Et toi, fais pas ta pute, tu vas te faire enculer, Jean-Marie. Ah non, c'est pas ça, c'est bien répondu. Allez, hop! Au revoir. Tu vas au pute, maintenant, hein. Voilà. Attends, alors à la place. T'auras personne, parce que c'est la conclusion. Émilien Cheval, si, parce que vraiment, il y tient. Émilien Cheval. Bonsoir. Allô, bonsoir. Salut. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Nogent-les-Pins. D'accord. Ouais, conclusion du débat, comme ça, tu vas faire la conclusion. Oh, t'as pas une petite question là? Non, il y a plus de questions, c'est terminé. Vas-y, tu crains. Allez. Fais ton communiste là. C'est terminé. Arrête de faire la grève là. Les questions sont faites, c'est terminé. Des gens de bois chez Carrefour. T'as l'air pété de cerveau ou quoi là. Alors, Emilien, conclusion du débat. Comment je peux faire une conclusion sur un débat auquel je n'ai même pas participé? Ouais, laisse tomber, insulte-le là. Ne te fais pas chier à faire une conclusion. Karl Marx. Ouais. Au revoir. Rien à voir. Ouais, non, on le garde. Moi, je vais le garder. Bon, Gérard, t'enchaînes des questions, là. Allez. Il n'y a plus rien. Allez, on est deux, tu nous en fais trois. Conclusion. Non, mais je voudrais bien une petite question. Allez. Conclusion. J'ai une thèse pour Kennedy, moi. On t'entend pas, Gérard. Plus fort. Plus fort, Gérard, on t'entend pas. Bon, Marie-Michel. Venir, vous leur dites au revoir, parce que je prends plus personne. Non, fais la conclusion. C'est quoi ce débat sans conclusion? Marie-Michel, conclusion. C'est comme si on était au feu. Marie-Michel. Je vais commencer puisque personne ne le veut. Non, mais c'est tous des feignasses. Il y a la galanterie. Comme si on était au Fokker Quiz. Bon, laissez faire. Alors, moi, personnellement, j'ai bien écouté votre débat parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé que c'était un débat pourri.
Peut-être du fait de votre trop grand nombre de neurones qui ont sauté, là, à mon avis, ce week-end dernier. Et voilà, sinon, je voulais dire débat de merde, arrêtez. Tout ça. De débat. Alors, Marie-Michel. Sinon, merci pour les nicks. Et voilà, casse-toi. Eh ben Marie-Michel, rentre chez toi, rentre dans ton foyer. Eh ben Marie-Michel, tu sais ce que c'est, tu sais ce que je vais te répondre. T'es une pétasse et une grosse salope. Allez, bien répondu. Karl Marx. Bon, il y a plus de questions alors. Il faisait pousser des putain, il y a plus de questions, Gérard. Non, c'est terminé. Conclusion. Bon, déjà, je voudrais revenir sur la rumeur là de l'avion dans la façade du Pentagone. Alors là, c'est pas le débat. C'est pas le thème du débat, okay, donc. Très bien, bon, non, j'espère qu'on en fera un là-dessus. Non, il n'est pas prévu au programme. Tant pis, football au moins, football. Ouais, foot. Non plus. C'est un petit football. Et Pires, là. Ça paraît le faire. Bon, moi, je voudrais juste savoir, parce qu'il y a des rumeurs qui traînent sur le net, si c'est vrai que le syndicat de l'hôpital où tu crèches a voulu te foutre dehors. Au revoir! Au revoir! Comme ça, je réponds pas. Emilien! Ah bah, pour changer, ouais. Comme conclusion, j'ai rien, parce que c'était vraiment de la grosse merde ton débat, Gérard. Et voilà, c'est tout ce que je tenais à te dire, ça me fait plaisir. Bah, le prochain coup, t'appelles pas, au revoir. Très simple. Emilien, monsieur Mazur. On a entendu le silencieux sort. Hein. C'est monsieur Mazur, je vous encule, monsieur Gérard. Monsieur Gérard, n'est-ce pas C'est bon à loi. Non, mais c'est pas lui. Monsieur Mazur, conclusion du débat. Vous m'entendez, monsieur Gérard, oui. Oui, écoutez, je regrette simplement le fait, malgré un dossier que vous maîtrisez très bien, et cela s'est entendu à chacune de vos saillies verbales, ah ouais, grave. Je voulais juste regretter, vous avez passé trop de musique, monsieur Gérard, et il y a un moment, j'avais l'impression de me trouver dans Groove Station avec monsieur Dario, et cela n'est pas possible pour un débat. Autrement, écoutez, c'était de première bourre. C'est clair. Non, mais faut se dire une chose, que les musiques, si je les ai passées, c'est qu'au standard, ils faisaient rien. Ouais, donc moi, je vais dire... Oh, je t'ai dit au revoir, toi. Mais non, mais faudra peut-être que tu te... Hé, on se réveille au standard. Genre, t'as pas une phénomène. Eh non, mais... Allez, zap. Allez, Karine. Allez, Cochon. Non, moi, je pirate le standard. Voilà, tu l'as rien fait. Voilà, ça, tu l'as piraté. Allez, conclusion, Gérard. Donc, moi, conclusion. Moi, je fais une petite dédiphone à Roselyne Bachelot, si elle nous écoute. Au revoir. Au revoir. Merci Karine de l'avoir encore laissé à l'antenne celui-là. Donc conclusion, ben qu'est-ce que je peux dire, que le débat s'est mal passé, donc mauvais boulot. Arrête, on a pris plein de mots. On termine sur 9212. Pas quand même. Pas mal. Quand même. Donc conclusion, ben c'est dommage qu'au standard il y a eu un peu de problèmes. On a eu des problèmes avec le net dès le départ, donc. Ça n'y peut rien. Par contre, il y a eu quand même pas mal de boum boum, donc c'est normal parce que les auditeurs que vous m'avez choisi. Les trois quarts, c'était un peu des nazes. Arrête. Donc quand c'est des débats d'actualité. Rien. Ouais, mais c'est des débats d'actualité que je sais que ça se termine toujours en couilles. Donc le prochain coup, ben j'espère qu'il y aura pas de couilles dans les prochains débats, parce que sinon il y aura plus de débats avant. C'est quoi le prochain thème? C'est quoi le prochain thème? C'est quoi le prochain pour qu'on se prépare? Arrête, tu le sais. Non. Ah non bon non, pas après ça. Non, mais on va faire un... Bah tiens, comme la Coupe du Monde elle va arriver à grands pas... Donc voilà. Le foot, alors. On va parler un peu de foot. Ouais, Robert Pires et tout ça, ouais. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, bah on va fera des sondages, on fera plein de trucs, ça va être super. On va massacrer quand même certaines équipes qui se foutent un peu de la gueule du monde vis-à-vis des entraîneurs. Ah bon? N'est-ce pas le PSG? Vous avez bien rigolé là. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben maintenant vous allez retrouver la feignasse derrière des vannes. Allez, va être content. Qui est revenu de vacances. Il y a un petit disque avant. Et un petit disque, pour ouais. Pour terminer. J'ai le nom, Gérard. Annonce, alors. Ça part pas tant que t'as pas donné le nom. Hein. Et c'est contre Oller Factory. Et ben pour le prochain débat. Donc thème sur le football. Je ne sais pas quand. La date, vous ne la saurez. Voilà, bonne nuit à tous. Bonne nuit tout le monde, au revoir. Salut.